hier, dans ma ville, à la propriété Caillebotte, du nom du célèbre peintre impressionniste. Connaissez-vous cette propriété? Je vous invite à venir la visiter. C'est un haut lieu de l'impressionnisme et il y a 20 ans, plus de 20 ans, en 1995, quand j'ai été élu maire, avec toute mon équipe, cet espace était en friche. Les bâtiments tombaient, les vitres étaient cassées. L'orangerie que vous voyez là-bas et qui est très belle, menaçait ruine. Et nous avons entamé un programme de restauration avec l'aide de l'État, du département, de la région. Quand on a lancé ce programme de rénovation, on nous a dit que nous étions fous, que nous dépensions trop d'argent. Aujourd'hui, c'est la première destination touristique du département de l'Essonne. Et c'est un des hauts lieux du tourisme de l'impressionnisme. Alors, aujourd'hui, où les touristes étrangers ont déserté à cause du Covid, eh bien, je vous invite à redécouvrir les lieux de notre patrimoine. Dans notre pays, en France, on a des merveilles. On a des merveilles. Et ce sont souvent les collectivités locales, avec l'aide d'ailleurs de l'État, mais qui ont été à l'initiative des restaurations. Et ici, vous pouvez, à l'intérieur, voir comment Gustave Caillebotte vivait. À l'époque, ses parents ont acheté cette propriété et il a commencé à peindre les plus belles toiles qui sont dans tous les musées du monde. Et vous pouvez retrouver sa chambre, sa salle à manger, comment il a peint, qu'est-ce qu'il a fait, comment il est arrivé à ce degré extraordinaire de maîtrise de la peinture, au même titre qu'un Monet à Giverny ou qu'un Pissarro ou que d'autres peintres illustres. Alors, au moment où le monde culturel vit des moments très difficiles, où il est un peu oublié, et ce sont des centaines de milliers d'emplois qui sont en cause, eh bien je vous invite à faire vivre le patrimoine, vivre la culture dans notre pays. Ce sont des petits gestes citoyens et en plus, vous passerez à 20 km de Paris, un bon moment qui vous sortira de la chaleur parisienne et qui vous sortira de la gestion d'Hidalgo. Car vous verrez ici ailleurs, mon successeur continue la même politique. Nous avons une autre idée de ce qu'est une ville et je suis sûr qu'en venant ici, vous verrez tout de suite la différence. Bonne visite.